بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères et sœurs, sachez que les prières à voix haute sont al-subuh, al-maghrib et al-isha. On récite à voix haute lors de ces prières dans les deux premières rak'a pendant la position debout, la fatiha, la parole amin et ce qui suit comme la sourate courte. Ceci concerne la personne qui prie seule et la personne qui dirige la prière en assemblée. Tandis que les deux prières à voix basse sont al-dhuhr et al-asr. Celui qui rate l'une de ces cinq prières la rattrape. S'il rattrape une prière à voix haute pendant le temps d'une prière à voix basse, il récite à voix basse, comme dans le cas du rattrapage du subuh pendant le temps du dhuhr. Mais s'il la rattrape pendant le temps d'une prière à voix haute, il récite à voix haute, comme par exemple le cas du rattrapage du maghrib pendant le temps du isha. De plus, s'il rattrape une prière à voix basse pendant le temps d'une prière à voix haute, il récite à voix haute, comme, par exemple, le cas du rattrapage du Asr pendant le temps du Maghrib. Je finis en demandant à Allah Ta'ala de nous accorder sa miséricorde et d'augmenter notre connaissance. Que la paix et le salut soient sur vous et à la prochaine.